Bonjour à toutes et à tous, c'est Koinski, on va jouer à Mini Metro. J'ai déjà joué un petit peu avec la carte du Caire avant de commencer cette vidéo, mais j'ai pas réussi à faire grand chose, donc je vais pas vous la mettre. Je vais recommencer. Je voulais en fait tester un nouveau design de route, qui serait les routes circulaires. Je vais essayer de faire presque exclusivement des routes circulaires et je vais de nouveau procéder de la même manière. On verra bien si j'arriverai à faire quelque chose d'un peu mieux. Le problème de la carte du Caire, ce sont les petits trains, comme ils les appellent, des trains qui ne peuvent contenir, transporter que 4 passagers à la fois. C'est vraiment pas beaucoup. Déjà avec 6, on galère très vite, alors vous pensez bien qu'avec 4, c'est coton. Alors déjà un problème sur cette ligne, ce sont l'accumulation de ronds qui se suivent, hein. C'est un problème courant dans Mini Metro, vous commencez à bien le connaître aussi. Et pour régler ce problème là, on va essayer de créer des lignes qui vont servir à couper ces symboles successifs et à servir de lignes de délestage, de soutien et de jonction aussi avec des éléments plus rares. Donc on va le faire la première par exemple, on a ici ce rond, qui j'aurais pu prendre celui-là aussi, mais on va prendre celui-là parce qu'il est du bon côté de la rivière. Du fleuve, l'île, hein, je suppose, et on va faire une route circulaire comme ceci. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est que la ligne extérieure, enfin la ligne bleue va être la ligne extérieure, donc on va tirer comme ceci, et on va modifier à chaque fois le tracé pour que ça reste une ligne externe, comme j'en faisais des fois auparavant, et on aura des lignes de soutien. Alors voilà. On a tous les symboles sur cette ligne. Elle permet de faire ici un petit raccourci, là couper les ronds, et puis ici compléter avec un triangle. Ça me paraît pas mal, on va mettre une seule locomotive dessus. Et on va voir ce que ça donne. Bon, ça paraît toujours bien au début, hein, quand on commence une carte. On pense toujours qu'on a trouvé, qu'on est d'une intelligence incroyable, et puis on se rend compte finalement qu'on se casse la gueule assez rapidement. Il me reste un tunnel, pour l'instant je préfère avoir un wagon supplémentaire. Un rond supplémentaire, ça c'est pénible, c'est très pénible. Encore un. Le problème évidemment c'est d'évacuer par exemple un triangle là, il va devoir aller jusque là et le carré jusqu'ici. C'est assez long. Pour l'instant je tiens le coup mais c'est pas... Et vous voyez l'utilité de ma ligne de soutien ici, les carrés qui sont ici, il en a quand même pris 4, il va les mettre directement ici. Alors, par contre, ici, ça change tout. On a un carré ici. Je vais pas relier carré avec carré, ça ne servirait pas à grand chose. Certainement relié avec le triangle ici. Alors
rond ici, c'est pas trop mal. Logiquement, je devrais couvrir ici l'extérieur, mais comme on a le triangle ici, on va revenir légèrement. Regardez comme ceci. J'aimerais bien arriver à 1000 sur ce scénario, je sais pas si je peux. Alors. Nouvelles locaux, certainement on va mettre sur la bleue, hein. On va mettre un maximum de locaux sur cette voici. Alors encore un rond. On va modifier. On va faire comme ceci, on va créer une autre ligne de soutien, je sais pas encore exactement comment. Mais elle passera par sans doute par cela. Comme ça j'ai les trois symboles de base. Et je crois qu'on va la relier avec la rouge. Ça me paraît pas mal. Il faut lui mettre une loco. Hop. Triangle, ma foi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Il est tout à fait bienvenu ce triangle-là. Regardez ici, on va gagner un temps considérable. Alors ça y est, les ennuis commencent. Les ennuis commencent parce que là, pour ramener... mettons qu'ici, ça pop là la goutte. C'est un peu embêtant. J'ai aussi ce rond-ci. Pour l'instant, il va falloir le laisser ici. Je vais avoir besoin de tunnels supplémentaires et d'une ligne supplémentaire assez rapidement. C'est pas vrai. Bon. On va laisser comme ça. Alors, locaux. On va prendre tunnel. Et ici, en plus, encore un symbole rare qui est arrivé. Ah, par contre, j'ai plus de nouvelles lignes. Très, très ennuyeux. Il faut absolument qu'une de mes lignes de délestage soit reliée par ici. Je sais pas trop comment, mais... Vous voyez qu'on peut supprimer ici, hein, j'ai découvert ça récemment. Admettons que je vais la faire passer comme ceci. Elle va être un petit peu longue. Mais elle est pas mal. Elle est un peu longue, mais elle est pas mal. Et alors pour la connecter à la verte, là c'est pas l'idéal. Je pense qu'on pourrait peut-être enlever celle-ci et connecter par le carré. Voilà. Ça
ça me paraît pas trop mauvais, sauf que la ligne rouge, elle est pas très très bien pourvue quand même. On va rajouter une loco dessus. Alors voilà qui change de nouveau la donne. Mais voilà, ça change pas grand chose, on va laisser comme ça. Alors par contre, ce triangle là, il m'ennuie vraiment très fort. Celui-là aussi, hein. On va avoir 4 triangles d'affilée, c'est pas bon du tout. Ah tiens, il me reste encore une locomotive, tiens, j'avais pas vu. C'est vraiment pas bon. Je vais mettre une loco sur la bleue parce qu'elle devient vraiment énorme. Problème sur la verte. Gros problème. On peut pas gérer tout ça avec avec un seul wagon de 4 personnes. Alors la nouvelle loco, très bien. Et on va prendre, je pense que nouvelle ligne pourrait peut-être être plus intéressante. Donc je vais le faire. Et on va refaire un peu le design de ce qu'il y a par ici. Là est bien. Par ici, j'aimerais sans doute en refaire une. Celle-là comme ça est bien aussi. Je me demande si je ne pourrais pas faire comme ceci. Attendez. Voilà, ce serait une toute petite ligne de soutien qui va me permettre ici, au milieu de cette succession presque infinie de ronds et de triangles, de couper vers un carré et un rond, quoi. Vers un carré. Est-ce que ça va fonctionner? Là, j'en suis pas sûr du tout. Et vous voyez que là, il a déjà pris la croix. Elle a déposé là sans doute. Alors ici. Et un gros aller-retour, hein. Ça sert pas à grand chose de faire ça. Je vais quand même le laisser ainsi parce que si j'élimine ces deux-là, j'ai plus de ronds à l'extérieur sur une certaine distance. Ce qui me paraît pas forcément une bonne chose. J'ai l'impression que depuis que j'ai créé la orange, je suis un petit peu plus allé sur la verte. Je vais pouvoir remettre une loco sur la bleue qui en a largement besoin.
On est vendredi, je vais pouvoir arriver à la semaine suivante sans trop de problèmes. J'ai déverrouillé un succès. C'est les 500 passagers transportés sur le Caire. Encore un rond, ah là là, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. On va aller chercher celui-ci plutôt que celui-là. Il est vraiment isolé ici, au milieu. C'est pas vrai. Encore un rond, et si je vais le chercher avec ma ligne bleue, ça va vraiment faire énormément de ronds, hein, mais qu'est-ce que je peux faire? Et pas grand-chose. Ça va être le rôle de la orange de transporter vers les carrés. Il y a beaucoup trop de carrés dans cette orange d'ailleurs. Je vais quand même faire comme ceci. Une nouvelle loco, des tunnels, hein, les tunnels, oui, mais j'ai besoin de capacité de transport aussi avant tout. On va mettre une nouvelle loco ici. Attendez, ici on dirait qu'elle n'est pas connectée. Faire ça. La bleue là, elle va agoniser si je fais rien. Je vais mettre ici un élément supplémentaire. Et voyez comment ces lignes ici peuvent, en allant chercher sur les bords, soulager les lignes externes, mais pas suffisamment malheureusement pour le moment. Peut-être que je fasse un petit saut comme ça supplémentaire. Ça lui en met quand même 3 d'affilée du coup, mais voilà, c'est peut-être mieux que de faire comme ceci. Ou alors, j'en mets que 2 et ici j'en mets 2 aussi. Ça permet d'avoir 2 points de ponction ici. Avec chaque fois 2 ronds sur chacune ligne verte et rouge. Bon là je suis en train de perdre malheureusement. Je tiens tout doucement le choc quand même. Alors je pourrais ici éliminer ces 3 points là pour aller plus directement. Gagner un petit peu de temps sur mes trajets. Je perds un carré dans l'affaire, mais il y aurait la ligne ici qui serait jointe, donc ce serait peut-être mieux. Comme ça, et alors la ligne orange, je pourrais peut-être la modifier comme ceci, même comme ça pour avoir un rond quand même pas trop loin, parce que sinon j'en ai qu'un et il est là. Ça me paraît peut-être mieux comme ça, visuellement aussi c'est mieux. Pour m'ennuyer, hein, vraiment, n'en rate pas une, on va faire ça. J'ai un problème sur la ligne rouge.
je n'ai qu'un seul wagon, c'est peut-être un petit peu par rapport à la ligne verte qui est plus courte quand même. On va changer. On va ramasser les carrés ici. Il y en a quand même 4. Est-ce que j'aurais pas intérêt à faire passer la bleue sur le bord? Ouais, bah oui, il y a aussi celle-ci. Faire comme ça, pour l'instant. Alors, on risque fortement d'avoir un endgame ici. Parce que là on est complètement saturé. Papapam. Je peux pas enlever le seul wagon de ma ligne orange quand même. Celui-ci est à vide pour le moment. On va peut-être le changer de place tout simplement. Papapap. Les faire dégager. Non, j'aurais plutôt dû aller par l'autre côté, zut. Tout juste, hein. Alors là, les carrés, oui, il y en a beaucoup, mais il y a la ligne vert rouge qui est très bien placée. Alors, un carré là, ça fait plutôt mes affaires, en fait. Relativement bien mes affaires. On va... Bon, la ligne orange n'est pas du tout en manque de carré, ça c'est clair. La ligne verte non plus. Aïe aïe aïe, il y a mon cerveau qui est en train de bugger là les amis, je suis en train de surchauffer. Je vais arriver peut-être à dimanche. Aïe aïe aïe. Ça dépendra ici. Tout est plein. Et je vais pas décharger de rond. Donc ça c'est pas possible. Alors ici. On a du carré, du triangle et beaucoup de croix. Prendre les croix. Oh oh. Sur le fil, hein. Ça ne me sauvera pas. Ah, une loco. Ah, ligne wagon, on va prendre wagon. Je vais déjà accrocher un deuxième wagon sur celle-ci. J'imagine que je suis au max, hein, ici. Ouais, je peux plus. Faire ça par contre, mettre sur la rouge pour prendre les triangles et les carrés comme ceci. C'est vicieux ce que je viens de faire, je suis content de moi, tiens. Hop. On gagne quelques secondes. Ça devient un petit peu compliqué. Ça devient un petit peu compliqué à gérer avec mon nombre de lignes. Il faudra une ligne supplémentaire. Voilà, je vais pas arriver à faire beaucoup mieux. Il est vide et là c'est plein. Ah là je suis beaucoup trop tard. C'est fini. C'est fini, mais 817 passagers. Vu la difficulté de la carte, je suis pas si mécontent de moi que ça.
Ouais, dans les 20 premiers pourcents, bon, c'est pas si mal. Vraiment pas évident, hein. Vraiment pas évident, voilà. J'espère que ça vous a plu, et je pense que bah on va sans doute dans ce jeu terminer au moins une fois chaque carte, hein, donc je pense que j'irai voir la fois prochaine, je pense que c'est Auckland. Et après c'est fini, hein. Je sais pas ce que je ferai après, on verra. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et d'une manière générale de regarder la série. C'est une série qui fonctionne assez bien sur la chaîne, ce qui est assez étonnant parce que c'est un petit jeu très simple, mais apparemment ça vous plaît bien, et moi aussi en fait, donc c'est pas si étonnant que ça. Je vous souhaite une excellente continuation, à bientôt.